Je suis dans un café, Pierre le garçon de café est là. Le verre est là ou non? C'est une question existentielle. Mais que vois-je? Je vois avec mon âme. Son existence à elle est irréfutable. Quelle créature magnifique, quelle belle demoiselle. Un mouvement de cheveux, elle sourit. Serait-ce un mouvement de cils? Fais quelque chose, idiot. L'amour est aveugle et chaque rencontre est un moment de grâce. Mais attendez, que se passe-t-il? Un parano de l'amour est une personne qui voit l'amour partout. Les hommes seraient prédisposés génétiquement à cette condition. C'est un trait de caractère qui se transmet de génération en génération. Mais que vois-je? Regarde comment son pied s'incline. C'est un appel à l'amour. Et moi, je serai son damoiseau. Elle sourit. Elle caresse sa jambe, le rituel de séduction commence. Se fait belle et s'apprête pour attirer le paon, le mâle ultime que je suis. Mais que fait-elle maintenant? Elle met du rouge à lèvres pour allumer la flamme du désir. Elle passe sa main dans ses cheveux, découvrant son subtil cou. Embrasse-la, idiot. Peut-être que je dois revoir mon analyse. La paranoïa, une manière de penser déformée ou qui a pour origine la peur d'être seul, mène souvent à l'irrationalité et la désillusion. Un événement que la plupart des gens verraient simplement comme une coïncidence ou du pur hasard aura pour leur parano de l'amour un sens et une signification. L'instinct basique de reproduction est déformé. Et exagéré. En un sens, le parano de l'amour fait d'un rêve une réalité, l'arbre la forêt, et recherche constamment l'éveil. La difficulté est bien sûr le confort que procure le rêve, la recherche, l'espérance. Mais peut-être que la réalité doit éclater au grand jour, mon ami. Tu es une âme seule, non? Alexander, celle qui connaissait cette misère. La recherche éperdue. Um paranoico do amor é alguém que vê amor em todas as coisas. As mulheres, diz, estão geneticamente predispostas para o problema. Uma característica evolutiva passou em geração, de mãe para a filha. Acredita-se que os fatores com a ansiedade de se estar só podem desencadear transtornos mentais que acentuam os traços de personalidade de cada indivíduo, ao ponto da irracionalidade e ilusão, a paranoia. O que a maior parte das pessoas vê como um acaso causado pelas circunstâncias, o paranoico interpreta como um padrão invasivo de delírios, que mantém com convicção obsessiva.